guanaco est une espèce de mammifère appartenant à la famille des camélidés. Voici une description du guanaco. Apparence physique. Le guanaco est un animal de taille moyenne, avec une hauteur au garrot d'environ 1 à 1,2 mètres et une longueur du corps de 1,8 à 2,5 mètres. Les mâles sont généralement plus grands que les femelles. Ils ont un corps mince et élancé, avec des membres longs et fins. Leur pelage est dense, constitué de poils longs et rugueux. La couleur du pelage varie du brun clair au brun rougeâtre, avec le ventre plus clair. Certains individus peuvent avoir des variations de couleur, comme des taches plus sombres sur le dos. Les guanacos sont principalement présents en Amérique du Sud, notamment dans les régions montagneuses, les plaines et les steppes des pays tels que l'Argentine, le Chili, la Bolivie et le Pérou. Ils sont bien adaptés à des environnements variés, allant des régions désertiques aux zones montagneuses en haute altitude. Alimentation. Les guanacos sont des herbivores et se nourrissent principalement de végétation basse, telles que des herbes, des feuilles, des buissons et des cactus. Ils sont capables de survivre dans des régions où les ressources alimentaires sont limitées. Comportement. Les guanacos sont des animaux sociaux qui vivent généralement en troupeaux composés de plusieurs individus, allant de quelques individus à plusieurs dizaines. Ils ont une structure sociale complexe, avec des mâles dominants qui défendent leur territoire et leur groupe de femelles. Les guanacos sont agiles et rapides, capables de courir à des vitesses élevées pour échapper aux prédateurs. Reproduction. La saison de reproduction des guanacos a lieu généralement entre l'automne et le printemps. Les femelles donnent naissance à un seul petit, appelé chulango. Les petits guanacos sont précoces et peuvent se lever et marcher peu de temps après la naissance. Ils sont sevrés entre 6 et 12 mois, mais peuvent rester avec leur mère pendant plusieurs années. Adaptation à l'environnement. Les guanacos sont adaptés à des environnements variés et parfois hostiles. Leur pelage dense les protège du froid et des intempéries. En hiver, leur pelage s'épaissit pour les isoler du froid, tandis qu'en été, ils perdent une partie de leur pelage pour éviter la surchauffe. Leur corps est également adapté à l'altitude, avec des poumons et un système cardiovasculaire performant pour mieux respirer dans les régions montagneuses. Économie d'eau. Les guanacos sont bien adaptés aux environnements arides et peuvent survivre pendant de longues périodes sans boire d'eau. Ils tirent une grande partie de leur hydratation de la végétation qu'ils consomment, qui contient une quantité suffisante d'eau pour leurs besoins. Communication. Les guanacos utilisent une combinaison de signaux visuels, sonores et olfactifs pour communiquer entre eux. Ils émettent des vocalisations, notamment des grognements, des cris et des sifflements, pour transmettre des informations aux autres membres du troupeau, tels que des avertissements de danger ou des signaux de reproduction. Thank you.
migration, les guanacos sont des animaux migrateurs et peuvent parcourir de longues distances à la recherche de nourriture et d'eau. En fonction des conditions environnementales, ils se déplacent souvent entre différentes zones d'alimentation saisonnière. Importance culturelle. Les guanacos ont une importance culturelle pour les populations indigènes d'Amérique du Sud. Leur pelage est utilisé pour fabriquer des vêtements, des tentes et d'autres articles artisanaux. De plus, la chasse traditionnelle aux guanacos est pratiquée par certaines communautés autochtones pour subvenir à leurs besoins alimentaires et culturels. Écologie. Les guanacos jouent un rôle important dans les écosystèmes qu'ils habitent. En tant qu'herbivores, ils influencent la structure et la composition de la végétation en broutant et en dispersant les graines. Leur présence peut également affecter d'autres espèces, comme les prédateurs qui se nourrissent des guanacos ou les parasites qui vivent sur leur pelage. Conservation. Les guanacos sont considérés comme une espèce préoccupante en raison de la perte d'habitat, de la chasse illégale et de la concurrence avec le bétail domestique. Cependant, dans certaines régions, des mesures de conservation ont été mises en place pour protéger les populations de guanacos et leur habitat. Les guanacos sont des animaux fascinants qui ont réussi à s'adapter à des environnements difficiles en Amérique du Sud. Leur capacité à survivre dans des régions arides et montagneuses en fait des espèces résilientes. Cependant, la conservation de leur habitat et la gestion durable de leur population sont essentielles pour préserver ces animaux emblématiques et maintenir l'intégrité des écosystèmes dont ils font partie.